nickel, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo incroyable parce que c'est une vidéo sur le fluide non newtonien. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un fluide qui lorsqu'on tape dedans, et ben ça devient solide et lorsque tu passes ta main du coup tout doucement, c'est liquide. Donc c'est vraiment incroyable. Déjà je suis trop contente de faire cette vidéo parce que c'est une activité manuelle, voilà, c'est franchement c'est incroyable. On se retrouve dans un magnifique setup avec deux caméras, comme vous pouvez le remarquer. C'est incroyable, mais là il y a du budget sur cette vidéo, ok? Parce qu'à 2€ le sachet de maïzena, ça fait cher, ok? Donc, c'est pour ça qu'il faut mettre un pouce bleu et s'abonner, parce que moi ça me fait vraiment plaisir. Quand vous vous abonnez, les gars, ça me fait une... Je sais pas, je suis trop contente. Donc l'expérience consiste en quoi en fait? On va mettre de la maïzena, qui est de la fécule de maïs. Donc on va mettre deux tiers de maïzena dans notre petit pot, notre petit récipient du coup. Ensuite, on va y rajouter un tout petit peu d'eau. Et on aura notre fluide non newtonien. Voilà. Et après ça, on viendra y rajouter des colorants pour que ça soit un peu plus joli. Donc des colorants alimentaires, comme vous pouvez le remarquer. Bah écoutez, moi j'arrête de vous dire que là, on va pas perdre de temps. J'ai vraiment trop hâte. Ça fait depuis le début du confinement que je veux faire cette expérience. Du coup, on se retrouve en vidéo. Donc j'ai envie de vous dire, on va le faire. Hein, donc on se dépêche de le faire. Donc directement, on va venir mettre notre petite maïzena dans notre bar, donc hop, on va l'ouvrir déjà, est-ce que je sais ouvrir? Non. Oh là là, effectivement, eh oui, bien sûr. Hop. Notre petit sachet. Allez. Eh mais les gars, rien que de faire ça, c'est trop... Oh, c'est génial. Oh, je vous jure, j'adore. Oh, j'ai foutu de la farine sur le micro. On va laisser lever les mains. On va venir du coup y verser notre petite eau. On va vraiment pas en mettre beaucoup du tout. On va vraiment rien mettre. Genre ça. Je veux vraiment pas gâcher l'expérience, les gars. Oh, les gars, ça marche. Oh, ça commence déjà à marcher. Oh, les gars, c'est génial. Oh les gars, je vous jure, c'est génial. Qu'est-ce qui vient de se passer? Ah les gars, je suis vraiment pas douée. Hein. J'ai eu la pire idée de faire cette vidéo. Je vous jure, j'ai eu la pire idée de ma vie de faire cette vidéo. On va rajouter un tout petit peu plus d'eau. Oh, ça marche. Et là, si on s'arrête, hop, ça devient tout liquide. C'est génial. Hop, hop. Là, tu vois, je peux rien faire, mais si je vais tout doucement, genre ça marche. Oh, les gars, c'est incroyable. Peut-être rajouter un petit peu d'eau en vrai. Ouais, un tout petit peu de genre. Pas plus. Genre. Ça, tu vois. En fait, ça marche tellement parce que là, tu vois, je force et là, j'arrête de forcer. Ça marche. Oh. Alors, on va faire une expérience. J'ai trop envie de prendre une petite boule. Donc, ça va nous prendre du temps. Oui, enfin. Je l'ai. Oui, 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 notre bloc. Regardez. Je l'ai. Et là, si je m'arrête. Hop, il redevient tout liquide. Oh, c'est incroyable. Peut-être que j'ai pas encore mis assez d'eau. Oh, regardez-moi ça. Oui, c'est trop beau. Oh, j'adore. Ah, la sensation est incroyable, vraiment. Hein. Genre là, c'est bien du fluide. Waouh. J'ai effectivement pas mis assez d'eau, je pense. Ouais, les gars, je vous jure, c'est incroyable. Hey, je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Ça ne fait rien, c'est génial. Et là, tout doucement, oh, ça marche. A few minutes later. 1 hour later. On va rajouter un petit peu d'eau parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas encore assez d'eau. Oh non, c'est parfait. J'ai mis la texture. Oh, c'est bon, j'ai trouvé la texture parfaite, les gars. Oh, c'est parfait. Et là, si je me mets à forcer. Oh, c'est génial. Eh, mais ce truc est fou. Maintenant, on va venir y ajouter du colorant. Ça va être trop d'art. Je vais me laver les mains.
Alors, directement, on va venir mettre en vrai du colorant rouge, je pense. Hop, on va rajouter un petit peu de, comme on appelle ça, de maïzena, parce que j'ai l'impression que, tu vois, j'ai mis un peu trop d'eau. Voilà. Parfait. On va y ajouter notre petit tube de colorant rouge. Wow. Ça, c'est rouge au sang. Oh, ben, ça marche vraiment bien. Bon, on va venir y ajouter une goutte de colorant rouge. Attention, 3, 2, 1. Oh, c'est trop dard. Oh, allez, une petite deuxième. Ah, une petite deuxième. Hop, on vient mettre ça sur le côté. Et là, maintenant, on va venir mélanger. Histoire de rendre rouge, notre liquide non newtonien. On va faire des petites expériences maintenant. Allez, c'est parti. C'est parfait, là. Ah, mais franchement, les gars, là, il faut mettre un maximum de pouces bleus sur cette vidéo. Vraiment, ça dépasse l'entendement. Voilà. Là, je pense qu'on est bien, en vrai, en termes d'eau. Donc, on va venir voir. Ah oui, ça, c'est bien. Ouais. C'est exactement ça. Ouais, là, on est bien. C'est parfait, parce qu'en plus, vous savez pas, mais genre, il y a 2, 3, 4 jours, j'ai essayé de faire ce tournage, mais ça avait loupé. L'expérience avait totalement loupé. Du coup, j'étais trop dégoûtée, parce que cette expérience avait loupé, donc du coup, j'avais trop chien. Et là, du coup, on peut la refaire, et elle marche. Bon, on va venir y rajouter des colorants bleus. Je vais encore me laver les mains. Encore ? Ça fait beaucoup là, non ? Hop, un peu plus d'eau, j'en ai mis trop. Et on va venir y ajouter notre colorant bleu. Hop, hop. Et on arrête après avec le colorant. Et nous, ça va être l'heure de tourner une setup pro de vidéo, malheureusement. Parce que là, c'est vraiment n'importe quoi. Je vais vous faire des petits plans de coupe après du bordel que c'est. Mais, oh, c'est trop bien. Eh les gars, franchement, c'est la meilleure vidéo que j'ai faite depuis la création de cette chaîne. Eh, franchement, les gars, franchement, incroyable, 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 incroyable. En créant cette chaîne, j'aurais jamais cru qu'un jour je ferais cette vidéo-là. Ah, mais vraiment. Bon, voilà. J'espère que les vidéos vous plaisent, en tout cas. Je suis trop content de les faire. On n'oublie pas que tous les vendredis à 17h45, il y a une nouvelle vidéo qui sort sur la chaîne, donc soyez présents. Et nous, on se dit à très bientôt. Dans une prochaine vidéo, un prochain live. Allez, ciao !